Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Saint-Omer, vous allez avoir de l'eau au-dessus de la ville, donc c'est pas à part de pousser, de toute façon vous aurez votre temps réel puisque vous passez sur les tapis.
Il y a une bonne ambiance. Je trouvais pas trop, non. Finalement, il n'y avait pas trop de boue, du coup, on adhérait bien. C'est le champion de Coco. Voilà, merci bravo Julien de Guido vainqueur de ce kilomètre à travers la France. Tout ça, très content, Maximilien. Toute l'instance dès le départ, c'était dur quand même. Trop parcours assez. Beaucoup trop. Et ça glisse aussi. Et tout seul, c'est dur d'en revenir. Bon, après, on gère la course, gère sa place. Ouais, voilà, c'est ça. Manque un peu d'homogénéité. Voilà. Prochain rendez-vous pour toi. Soit Marchienne ou Gravelines. C'était dur, mais oui, évidemment c'était dur. Par les conditions météo aujourd'hui. Voilà, donc là un peu de vent, un peu de difficulté, il faut trouver la motivation. Les garçons courent plus vite que moi, donc j'arrive pas à accrocher. Et les garçons courent plus vite que les filles, c'est casse pied, ça c'est embêtant quand même. Exactement. Bon, termine pas de dossier fini sur le kilomètre. Comment ça s'est passé, Fanny, pour toi? Tout à l'heure on parlait avec celle qui l'ont pas entendu. C'était pas évident, pas facile aujourd'hui. Pas facile avec la pluie en effet, le sol est glissant. Et la chaussée elle est pas super belle le long du canal avec les trous. Mais bon, ça aurait pu être pire si on avait vraiment eu l'averse pendant la course. Après, quand on vient à la course du Marais, on sait pourquoi on vient courir ici. On a eu des années où il faisait super beau et même super chaud. Donc c'est vraiment très aléatoire. Voilà, très bien à la bagarre, vous voyez. Avec pour le chrono, vos applaudissements pour Julien. Le deuxième, Maximilien Hollard, 32-44 pour le chrono, Maximilien. Et la troisième place de David Leclerc, Cotopal Triathlon. Le voici, David, 33 minutes et 20 secondes. Bon, Julien, désolé, hein. C'est un peu passe plafond. Tu peux descendre, oui, si tu veux, ce sera plus confortable pour toi. Voilà, ce sera plus simple. Pour ce beau podium, classement du 10 km avec Julien, Maximilien et David. Bravo messieurs, félicitations. 38-52 pour le chrono de Constance qui
avouait avoir souffert aujourd'hui. Fanny Mudès deuxième en 39-39-39-57. Et la troisième marche du podium pour Karine Capel en 42-40. Ouais, Karine ! Une master et une senior sur ce podium, on la trouvera dans les catégories, j'aurais pas dû le dire, hein, c'est pas bien. Allez, vos applaudissements encore pour ce podium, Karine.